Bonsoir. Code 243, le privilège ce soir de recevoir un grand chef coutumier, car il est important que nous puissions parler de la situation de la République démocratique du Congo avec les représentants officiels du pouvoir dans ce pays-là. C'est pour cela que ce soir nous recevons le grand chef, qui est également le secrétaire général des chefs coutumiers de la RDC, en la personne du grand chef Fumu Difima Bols, qui est le grand chef coutumier de Tampa. Kimwenza et Nsabuka, qui sont situés à Kinshasa et dans le Bas-Congo, en RDC. Grand chef, bonsoir. Bonsoir, Kabanga. Comment ça va? Ça va, nous sommes là. Tout le plaisir est de vous retrouver, vous tous ici, dans cette terre américaine, cette terre de l'image mondiale, cette terre de l'enseignement du village planétaire. Cette terre où nous retrouvons non seulement vous qui revenez au pays quand vous voulez, vous qui euh, passez de temps en temps visiter cette terre, mais aussi ceux qui vous ont précédés, qui forment aujourd'hui cette génération américaine, qui, euh, comme je vous le dirais, restent nos enfants, nos fils et filles, pas parce qu'ils ont été esclaves, mais parce qu'ils ont été enlevés, vendus sans leur propre volonté, comme je dirais plutôt victimes d'enlèvement, mais qui, avec les années, qui avec euh, cette cour de l'histoire, sont devenus une nouvelle génération de nations unies d'Amérique, appelée aujourd'hui États-Unis d'Amérique, mais dont la souche africaine continue d'apparaître comme euh, de même qu'apparaissent la souche indienne. Ces natifs que tout explorateur avec ses victimes d'enlèvement avait retrouvé euh, aussi la descendance de tous ces aventuriers euh, explorateurs à la recherche du monde qui eux aussi ont aussi laissé leur descendance ici une descendance aujourd'hui mais mélangée qui devient euh, la descendance américaine donc c'est un plaisir pour moi de vous retrouver vous les derniers qui explorent encore les États-Unis mais aussi eux ce qui avait été enlevé victime à l'époque et qui constitue aujourd'hui les socles de cette nation américaine. En tant que chef coutumier, euh, avant que l'on parle à RDC, à la tête de ce pays aux États-Unis se trouve un, un ressortissant, un Africain, comme vous le dites. Euh, quelle lecture faites-vous Le monde a été surpris il y a quelques années en arrière, alors que personne ne, prévois, ne, pré, ne prévoyait, rien ne présageait qu'à la tête de cet immense pays, un noir puisse être président. Euh, je crois que ça étonnerait beaucoup plus plutôt euh, si, effectivement, nous étions encore à cette époque, l'époque du western américain. Parce que j'étais en train de dire qu'il ne faut pas oublier que, le, euh, comme euh, à l'image de Diego Kao qui avait découvert la, le Congo, qui a eu cet échange avec euh, Zingankouvo qui a retrouvé un grand royaume, dit euh, Royaume Congo, euh, avec lequel ils ont même fait échange d'ambassadeurs. Parce qu'il ne faut pas oublier que Diego Cao a dû ramener, et au Portugal, et en Espagne, et à Rome, des délégués qui sont venus, des délégués de, du roi Zengankovo, et dans cet esprit bilatéral d'échange. Euh, je ne vais pas aller jusqu'à rejoindre 1885 où ils vont se permettre de partager l'Afrique mmh. avec euh, la conférence de Berlin. C'est passé d'abord avant tout cette hospitalité euh, africaine, cette hospitalité bantou qui voulait qu'on puisse toujours accueillir quelqu'un et échanger avec lui. Mmh. Et euh, ces gens ont pu quand même aussi demander qu'on puisse leur donner euh, du main-d'oeuvre, du personnel qui devait les aider dans la continuation de leur mission. Euh, Le comble, c'est que quand ils sont sortis avec ces gens, c'est en cours de route qu'ils vont commencer à les retourner en, en esclaves, en les vendant à gauche et à droite. Et ceux qui étaient spécialistes de ces, de ces commerces, c'était d'ailleurs les Arabes, les mêmes qui ont vendu les Blancs vers l'Afrique. Parce que mm -hmm. parfois les gens, quand ils aiment bien lire les écrits euh, bibliques, Biblique. ils aiment bien dire oui, oui, les Juifs ont été en esclavagisme euh, en Afrique. Mm -hmm. Mais ils ignorent aussi que, en fait, les... commerce commerces d'esclaves se faisait depuis l'époque où le même Arabe a acheté le blanc pour aller les vendre aux Égyptiens, cet Africain qui avait des grands royaumes et des grandes œuvres à présenter au monde, qui était mm -hmm. d'ailleurs la base de la mathématique et de la physique, que aujourd'hui l'Occident s'en orgueille. Mm -hmm. Mais la base est d'abord euh, africaine. Mm -hmm. euh, C'est de cette même manière euh, que Christophe Colomb, qui a aussi découvert l'Amérique, qui a de, de, sa, de, de sa découverte, va prendre aussi avec lui tous ces gens qu'on enlevait pour amener vers l'Amérique. Donc je dis l'Amérique du western de l'époque où l'homme noir, où la main d'œuvre noire était utilisée plus pour les travaux et pour bloquer un peu le, le natif indien, mm -hmm. euh, cette génération a disparu. Oui. La génération de l'aventure western a, a disparu. disparu. Même s'il y a ce réflexe de résistance de vouloir chercher le, la suprématie sur l'autre génération ou sur l'autre race s'attend euh, à disparaître pourquoi parce que les meneurs des opérations a disparu il reste en place sa descendance à lui qui est en fait tout simplement se retrouve dans un bain avec la descendance noire et la descendance indienne donc cette euh, union là doit d'abord commencer par euh, reconnaître l'existence du natifs qui lui était indien qui possédait le terre pour qu'il y ait un ancrage normal et de la physique et de la métaphysique des états unis mais cela n'empêche qu'aujourd'hui, que ce soit un noir, que ce soit un blanc, que ce soit un natif indien qui puisse prendre le pouvoir. Ce n'est plus la vision de... Mais effectivement, ça nous rejoint en Afrique parce que autant de prophéties ont dit, quoi qu'il en soit, le grand frère de ce monde, c'est l'homme noir. Et qu'il est quand même appelé à remettre les choses au point. Avoir mm -hmm. aujourd'hui un fils descendant de l'Afrique à la tête des États-Unis, c'est un grand plaisir. Pourquoi parce que nous considérons que s'il se remet dans sa tradition interne, dans sa culture africaine, il va aider les États-Unis à rééquilibrer beaucoup de choses dans ces mondes. Euh, nous osons croire qu'il va rester en contact avec non seulement les natifs indiens, la, la, la communauté blanche mm -hmm. et la communauté noire dont elle, est, elle est ressort. Je pense qu'il va aider le pays à très vite avancer. Et nous osons croire qu'il ne va pas tomber dans l'esprit du western américain de l'époque. L'esprit du western américain de l'époque. Pour ceux qui nous rejoignent, nous avons sur ce plateau le grand chef coutumier Fumou Difima Bols, qui est le secrétaire général de l'ensemble des grands chefs coutumiers en République démocratique du Congo. Il est de passage à Washington, D.C. Et euh, je vais me tourner vers lui pour. Euh, vous venez de faire une tournée euh, américaine et vous avez rencontré les grands chefs euh, indiens. Euh, et vous avez parlé de la réhabilitation du pouvoir. Est-ce que vous pouvez nous en toucher un peu un mot, parce que. Mais euh, et pourquoi, eux... Que pourquoi eux Pourquoi eux C'est d'abord un grand plaisir mm -hmm. pour moi d'avoir fait cette tournée, parce que là, je suis pratiquement à la troisième tournée. Euh, premièrement, je devais rejoindre les universités américaines. Les universités, c'est pour leur parler de la culture et de la place de l'autorité coutumière, la place du pouvoir coutumier, parce que souvent, on a tendance, euh, pour vous, nos enfants. Qui est passé par l'Académie française, vous avez tendance à confondre le mot. Quand je dis autorité traditionnelle, tout le monde se dit autorité traditionnelle, c'est qui Quand je dis pouvoir coutumier, on dit à pouvoir coutumier, c'est l'Afrique. Non. L'Europe a le pouvoir coutumier. L'Amérique a le pouvoir coutumier. Le pouvoir coutumier, le pouvoir traditionnel est lié au sol. Il est lié à la terre. C'est pourquoi, d'ailleurs, dans, euh, dans tous les écrits euh, saints, parce que vous aimez bien appeler ça saint, ou euh, dans tous les écrits historiques de l'histoire de, de, de l'humanité, on vous dit que la chair vient de la terre et redevient terre, poussière. Mm -hmm. Ça veut dire que la tradition est liée à la poussière. Et chaque poussière, chaque terre est collée à un individu, à mm -hmm. un clan, à un groupe dont la gestion des esprits appartient à un certain nombre de gens. Et ici, il ne faut pas euh, oublier que d'ailleurs que quand nous parlons terre quand nous parlons air quand nous parlons espace quand nous parlons intelligentsia, tout cela est lié aux esprits et ici par exemple quand on dit l'esprit c'est quoi les gens ont difficile à comprendre qu'est-ce qu'on appelle l'esprit mais quand je demande mais est-ce que vous reconnaissez tous d'ailleurs tels que vous êtes là que en vous-même dès votre naissance il y avait un esprit dans votre corps est-ce que vous reconnaissez que quand vous écrivez maintenant avec toutes les églises, euh, Sauvons les âmes, vous faites la chasse aux âmes. Nous disons l'âme, l'âme c'est quoi l Âme c'est quoi Mais si vous voulez comprendre tous ces mots, vous devez d'abord revenir vers votre langue. Et quand vous aurez compris la langue, alors vous allez réaliser qu'est-ce qu'on appelle l'esprit, qu'est-ce qu'on appelle l'âme, qu'est-ce qu'on appelle le corps. On aime pour l'instant tout mettre dans l'amalgame pour empêcher en fait la descendance de comprendre cette différence. Parce que quand l'homme comprend cette différence, il ne va plus se laisser faire. Il y a des choses qu'il ne va plus autoriser. Mais en l'embrouillant, en l'hypnotisant dans ses histoires, on les bloque et on l'empêche de comprendre l'humanité. D'ailleurs, euh, vous allez vous dire aujourd'hui, Abraham, pasteur, euh, vous allez dire, écoutez, quand on est mort, on est mort. Ben, le corps, c'est rien. C'est la poussière, c'est parti. Mais quand vous arrivez le 1er août, le jour des morts, vous vous rappelez quand même que non, mais j'ai un papa. Il faut quand même qu'on aille déposer euh, ces gerbes de fleurs. Pourquoi Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, vous vanter aujourd'hui étant vivant. Mais le jour où vous décédez, votre maman, votre soeur ne va pas vous lâcher. Vos enfants, nièces et neveux, ils ne vont pas vous lâcher. Petits-fils, ils ne vont pas vous lâcher. Ils vont tous s'élever pour dire c'est le 1er août aujourd'hui, allons déposer la fleur sur le tombeau de celui-là qui est parti. Et quand vous venez à Kinshasa, c'est toujours écrit Repose ici en paix, que votre âme repose en paix. Quand vous allez dans les cimetières américains, ici européennes, cette date-là, c'est bourré de, de, de gerbes et de fleurs. Tous les Blancs sont au rendez-vous. Ce jour-là, eux reconnaissent que l'esprit existe. Ils reconnaissent qu'il y a un corps qu'ils ont laissé là. Ils reconnaissent qu'il y a une valeur de cimetière. Donc quand vous revenez vers ces valeurs, vous réalisez qu'en fait, le monde qui est dit physique, se retrouvent en minuscules autour d'un monde qui est dit métaphysique. Et c'est ce monde-là qu'on appelle le monde du sorcier. C'est ce monde-là qu'on appelle le monde de la sorcellerie, dans lequel vous retrouvez et les gens qui font des rêves, et ceux qui ont des songes, et ceux qui ont des visions, et ceux qui commencent à voir pasteur. Je tiens à ces mots sorcier, parce qu'on a tendance, c'est pour atterrir, hein. Je ne veux pas. Non, non, il n'y a pas de problème parce que la prochaine question, vous y êtes déjà. J'allais voilà. vous poser une question Donc, sur, euh, sur les relations entre l'Église et le coutumier. vous C'est ce que je veux dire. Je vous Ça veut dire quand vous entrez dans le monde américain aujourd'hui, vous retrouvez le service euh, de la CIA, vous retrouvez les FBI, vous retrouvez les services communaux, provinciaux. Tous ces services de renseignement et de sécurité sont gérés. Si pas par le ministère de la Sécurité, par le département de la Défense. Mm -hmm. Donc, il y a toujours un patron qui a le contrôle pour éviter des mm -hmm. C'est cela que ça veut dire. Non, la CIA vient de déconner. L'FBI vient de déborder. Non, il y a une invasion étrangère avec euh, le KGB. Non, surveillez bien la SDC française. Et il y a un département qui a le contrôle sur tout ce qui peut bouger autour de lui. Ce département peut-il être, euh, euh, comment dire, visualisé les... comme étant le chef coutumier Ce département-là, c'est le patron de la métaphysique de son entité, et c'est celui qu'on appelle le chef coutumier. Et ici, ces chefs existent. Ces chefs-là existent. D'ailleurs, l'exemple est simple. Aujourd'hui, quand vous êtes pasteur, on vous pose la question, vous êtes de quel ordre oui. Catholique Si c'est catholique, c'est Rome qui vous gère. Mm -hmm. Anglican C'est Londres qui vous gère. Orthodoxe C'est les Russes qui vous gèrent. Mm -hmm. Mais toutes ces églises sont au Congo. Les catholiques ne gèrent pas les orthodoxes au Congo. Hein. Les Anglicans ne gèrent pas le, les catholiques. Hein. Les musulmans, pareil. Quand on a créé les désordres, qu'on appellerait même canoniques, tous ces ordres ont un patron. En fin de compte, il y a un patron. Mais ils vous montrent jamais leur patron. À ce sujet, pour ceux qui nous rejoignent, encore une fois, nous avons ce soir un grand chef. Et vous remarquerez qu'il y a une avancée euh, très importante dans le. Dans le... I don't think la camera is on me. You on me? moi? Oui, yes. Okay. I'm sorry guys, I'm going to start over. Okay. Can I get the close-up? Thank you. Mhm. Mm yeah. All right. Pour ceux qui nous rejoignent, vous remarquerez que aujourd'hui, les grands chefs coutumiers congolais s'expriment dans différentes langues. Ils sont éduqués, ils sont formés et peuvent expliquer toutes ces zones d'ombre qui ont fait que dans le temps ou à l'époque, compte tenu du manque d'information, du manque de, 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 de connaissances ou de transmission de ces connaissances, ils ont été perçus comme étant euh, des sorciers, le mot il a dit. Et nous allons d'ailleurs y revenir parce que cela est important. Mais une question, euh, je voudrais que vous puissiez préciser. Aujourd'hui, vous avez parlé de ces églises. Un chef coutumier, grand chef coutumier, quelle relation y a-t-il Parce que dans le subconscient du Congolais ou de, de notre collectif, nous pensons que le chef coutumier... Il n'a rien à voir avec Dieu, il ne connaît pas Dieu, son pouvoir est un pouvoir euh, euh, nuisible et tout y quantique. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cette affirmation en qualité, encore une fois, le secrétaire général des chefs coutumiers de euh, l'RDC C'est ce qui est important. Euh, je n'irai pas loin parce que vos téléspectateurs qui vous suivent dans cette chaîne que les Congolais suivent souvent, ou d'ailleurs toute la communauté Merci. internationale, euh, je vais peut-être leur faire voir que si je vais vous parler à vous, c'est en tant que descendant d'un chef coutumier. Mmh. Et j'aimerais plutôt vous faire raisonner. Votre papa, votre grand-père, ce chef coutumier qui a donné naissance à toute cette famille, puisqu'il on le considère un peu comme diable, doit-on considérer que toute votre famille, votre clan, sont les produits de diable, d'un diablotin quelque part Je dis, il y a diversion. Il y a diversion, la seule difficulté que nous avons. Je dis, quand vous transvasez tous les Français que vous apprenez, vous aviez dit que vous étiez content euh, de voir aujourd'hui des chefs coutumiers qui, qui ont été éduqués. Non, c'est le coutumier qui éduque. les coutumiers, on ne l'éduque pas. Pourquoi je le dis Parce que souvent, on a tendance que quand on a été à l'école, quand, quand on est devenu intelligent, qu'on croit qu'on a le monopole de l'intelligence. On oublie même qu'on est venu de quelque part. Pourquoi je le dis À l'école primaire, à votre enfant, ou nous-mêmes en passant par là, on apprend le simple calcul. 1 plus 1 égale 1. Et quand vous rejoignez les secondaires, on vous passe à l'algèbre et à l'équation, où vous commencez à apprendre que x plus 1 égale y. Et quand vous sortez de là, c'est quand vous rejoignez l'université qu'on vous dit, attention, il y a équation à inconnu, à plusieurs inconnus, à plusieurs variables et que finalement vous passez dans la recherche. Il y a des étapes. Et aussi au niveau de l'intelligence de, 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 de l'individu. Quand vous allez pour apprendre une langue, c'est pour seulement développer d'abord votre capacité de conception. Parce que vous apprenez dans une langue. La langue aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, comme vous le dites, ben je suis en train de parler en français, parce qu'il s'agit de l'Académie française, mais même l'alphabet français a, a moins de deux siècles. Et les gens s'enorgueillent en disant « Non, je suis docteur en français ». Ça change quoi Plus que si je l'amène aujourd'hui à Nguangzhou, il ne saura même pas, pas prononcer un seul mot d'un docteur en français. Exactement. Toute évaluation dépend d'un département bien défini. Exactement. Ici, l'éducation qu'on attend d'une population, c'est d'abord l'éducation mère que tu reçois chez toi à la maison. C'est pourquoi on a toujours dit que l'éducation, la, 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 la valeur d'une personne dépend d'abord de l'éducation qu'il a chez lui à la maison Exactement. et non l'éducation qu'on lui octroie à l'école. Il y a inversion de fait. Voilà pourquoi j'étais en train de dire qu'en fait, la difficulté euh, avec le chef coutumier, à l'époque quand l'évangélisation est arrivée, le pasteur ou le prêtre qui arrivait allait d'abord chez les chefs coutumiers pour présenter ce qu'ils de quoi ils voulaient parler. Il ne faut pas oublier que les églises sont des associations philanthropiques. Okay. Ce sont pratiquement les ONG de développement qu'on a retourné dans la pratique dans la conservation de foi des autres. Non, on a dévié de leur objectif. Ils présentaient à la population au chef de l'entité ce dont ils avaient besoin et il y avait un enseignement qui était limité et des jours bien précis l'heure même qu'il fallait à cela. De même que l'autorité coutumière pouvait dire non. Tel moi, pas ceci. Mais qu'est-ce qui s'est passé par après Même à l'époque, le même conseil quoi, le, le même confession pour vous prendre vous au niveau de l'église, il demandait l'autorisation à la famille. Est-ce qu'on peut prendre tel Et la famille pouvait dire non. Pas bah, Abraham, prenez-nous plutôt telle personne. C'est eux qui désignaient la personne qui pouvait envoyer vers cette œuvre-là. Pour qu'il aille apprendre ce qu'il y a, exactement. Et la difficulté aujourd'hui qui pose encore la question. D'ailleurs, aujourd'hui, il suffit seulement que votre femme fasse six mois dans une église, tellement qu'il prêche bien, qu'on commence par lui dire Oui, mais je viens de faire un rêve, vous et votre mari, là. Vous savez, ce n'était pas originel. D'ailleurs, d'ici là, ça n'ira pas. Ah, donc ces gens-là quand ils se sont mariés c'était des bêtises. Vous là parce que vous venez de, de prêcher vous vous rendez compte que non ces mariages là ce n'est pas un mariage dont vous vous devez en créer un autre qui est un mariage divin parce que le premier étaient diabolique. C'est quoi ces bêtises? Mais, mais comme ce, ce dit... n'est pas l'absence aussi parce que le premier mariage c'est vous. Non mais c'est là où je vais répondre parce mm -hmm. que j'avais dit j'allais chuter c'est la réponse. Mm -hmm. Quelle est la différence où se situe l'autorité coutumière et l'Église? Mm -hmm. Monsieur le grand pasteur, Monsieur le prophète. Mais les jours où vous voulez vous marier, vous vous êtes bien aimé dans votre église, vous avez amouraché tous les fidèles autant que vous voulez. Mais vous-même, les jours-là où vous voulez vous marier, vous commencez par demander à votre femme Qu'est-ce qu'on fait chez vous parce qu'il faut qu'on la papa Ah Tiens, vous vous rappelez ce jour-là que les cette femme-là, ces fidèles-là sur qui vous pouviez jouer quand vous voulez, à tout moment, l'envoyer en intercession ou en ceci, tout ce que vous voulez mais ce moment-là, quelqu'un vous rappelle que cette femme n'a jamais été à vous. Cette fille-là appartient à un papa. Et que ce papa-là est dans une culture. Mmh. Et cette culture a un chef. Exactement. Chez qui il faut aller demander, lui, gardien des coutumes, qu'est-ce qu'il faut faire exactement. Et c'est ça qui conduit tout doucement vers la valeur de l'identité à ce moment-là de la femme. D'où la culture égale identité. Et l'identité, c'est le coutumier. Les noms qu'on vous a donnés, ce sont des noms coutumiers. Ce sont des noms identitairement congolaises. Ce sont des, des noms identitairement ancestrales. Donc vous ne pouvez pas échapper à cela. Je dis seulement si aujourd'hui les chefs coutumiers étaient diabolisés, c'est parce que nous assistons à ce qu'on appelle à Kinshasa les magablo. Les Magablots, c'est le cas social difficile à Kinshasa. Il suffit de taper les mains le matin. Nzambalobi, 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 Yo, le biozoke Ah! Ah non, mon papa dit que non, 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 on va prier pour ton père, il est ensorcelé, il est possédé. On va désensorceler, dés 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 on va méditer, on va intercéder. Non. L'église est devenue tellement un commerce que l'église du début, qui considérait qu'il était derrière le chef coutumier, a disparu. Mais, mais c'est la faute à qui? Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que nous pouvons vous reprocher une chose. c'est vous les chefs. La dégradation qui fait qu'aujourd'hui les gens trouvent un refuge dans l'église à cause de la pauvreté, à cause de la vie sociale difficile et peut-être parce que quelque part il y a ce pouvoir ce pouvoir coutumier n'est plus tellement vu dans notre société. Si ce n'est que pour des grands moments comme le mariage, euh, le décès ou même la naissance est assez grande. Ou les élections. Ou, les élections, ou encore plus loin, lorsque quelqu'un a été établi dans une fonction, c'est le clan, c'est la famille qui vient, il y a certaines procédures. Est-ce que. n'y a-t-il pas un déséquilibre dans l'homme congolais J'aurais voulu qu'on parle un peu parce que j'ai l'impression. Oui, que... c'est la profondeur de tout, à quel niveau ça s'est abîmé. Je veux vous dire que quand le Congo souffrait encore de la colonisation, Aujourd'hui, vous vous dites peut-être être, être d'évoluer parce que vous avez appris à parler les Français. Mais avant 60, les Congolais ne connaissaient pas ces Français-là. Et c'était des millions de Congolais, mais qui revendiquaient l'indépendance. Ces groupes de jeunes qui étaient en avant-plan, qui voulaient l'indépendance du pays, ont eu comme référence les